Oui, tout à fait, satisfait, oui. Bon, je n'ai pas eu beaucoup d'adversaires, mais bon, en catégorie V3, c'est difficile. Hein. C'est déjà bien de voir tous ces participants, depuis 60 ans, courir comme ils courent encore comme des lapins, alors c'était super. Ça fait plusieurs fois que vous participez à ce franc dans la catégorie V3. Le France de cross, non. Mais je suis champion de France sur 10 km route, sur semi-marathon, et champion de France de marathon. J'ai fait une Nice-Cannes et j'ai gagné dans ma catégorie quand même en 2h44, donc c'est pas mal pour un V3. Vous avez quel âge exactement ? Moi, je vais dans 20 jours, j'aurai 64 ans. C'est peut-être très performant. 47. Et vous avez débuté sur la course à pied depuis longtemps ? Oh oui, très longtemps. Oui. 48 ans. J'ai commencé à encadrer et je n'ai jamais arrêté. Bon, je ne gagnais pas puisque j'avais un métier assez dur. J'étais cuisinier de métier. Donc au début, c'était 50 heures par semaine. Je ne pouvais pas être au niveau national. Quoi. Mais là, en vétéran, je me régale. Je fais la retraite depuis 5 ans. Donc voilà, j'en profite. Le matin, je sais ce que je vais faire. Je vais faire un footing, voilà. Et l'après-midi, je me repose. Et voilà, on est en pleine forme, vous voyez, à 64 ans. Vous avez déjà disputé le France de cross dans d'autres catégories ? Ah oui, en cadet, en junior, en senior aussi. Et en vétéran, première année, je terminais régulièrement dans les 10 premiers en France. Donc, juger ce parcours qui est un petit peu debout maintenant. Mais là, c'était super, mais cet après-midi, oui, il va y avoir beaucoup de boue. Mais enfin, c'est super agréable et l'organisation, c'est incroyable ce qu'ils font. Hein, parce que avec la pluie qu'il y a eu hier, il faut vraiment féliciter l'organisation. Hein, parce que c'est du boulot. Hein. Félicitations encore et merci. Merci.